Hello à toutes et toutes, petite vidéo incongrue, inopinée, et oui, car j'ai reçu un petit colis ce matin. En fait, il m'était parvenu hier, mais je n'étais pas là, et il a dû cheminer un peu encore ce colis pour finalement, heureusement, arriver à bonne destination ce matin. Alors voilà, ça se présente comme ça, je cache les adresses. C'est une enveloppe, en fait, assez grosse, assez imposante. À l'intérieur, il y a, je pense, des choses bien sexy. Et figurez-vous que ceci m'a été envoyé par Ryu Gaming. Eh oui, Ryu Gaming, son adresse au dos. J'ai reconnu tout de suite. Et je suis super touché. Alors, on va ouvrir ça délicatement. Pour mon renard fou. Ah, je suis super touché. Ah, vraiment, c'est énorme. Ah, c'est super joli. C'est super touchant. R, Ryu. Je vais ouvrir ça, mais très délicatement, parce que je ne veux même pas abîmer le papier cadeau, quoi. Eh bien, ce grand fou m'a envoyé No More Heroes sur la Wii, un jeu de Rising Star dont je possédais le second épisode, mais pas le premier. Donc, merci beaucoup, Ryu. Je suis très touché par ce cadeau, la pure générosité. Un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains, car il est assez violent, assez sanglant, et avec un humour vraiment à prendre au 50e degré. Un bon jeu sur la Wii, avec sa suite No More Heroes 2, qui m'avait été d'ailleurs dédicacé par l'ami Souda, le créateur du jeu et de bien d'autres titres. Donc merci beaucoup l'ami Ryu, je suis vraiment touché, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce No More Heroes. Et puis regardez, il m'a aussi envoyé un deuxième jeu, donc c'est Demolition Girl. Alors ça j'adore, parce que je pense que c'est aussi avec beaucoup d'humour qui m'a envoyé ça, parce qu'il s'agit en fait d'une... Je crois qu'il s'agit d'une femme géante qui se retrouve en ville en train de tout démolir. Enfin, ça doit être un gros délire comme ça. Ouais, je pense que c'est ça le truc. Hein. Je crois que c'est ça le pitch. Sur l'île de Miyako-jima, une créature gigantesque est apparue. Elle se dirige vers Tokyo. Et en fait, c'est une nana géante. Ça doit être ça, créature gigantesque. Et Ryo Fubata, dans ce jeu, vous devrez essayer de stopper sa progression avec tous les moyens mis à votre disposition. Avion de chasse, hélicoptère et tank. Eh ben génial, quel programme, quel beau programme. Combattez au cours de 6 missions pleines d'action. Accomplissez toutes vos missions pour sauver la planète. Je ne l'avais pas, ça c'est certain. Et regardez, la petite touche pink, la petite touche girly, Demolition Girl. J'ai hâte de tester ça, ça va être... Ah ouais, d'accord, mais c'est un petit peu comme l'attaque des titans, quoi. On se retrouve avec ce géant. En plus, on doit le diriger, ça doit être bien marrant. Je sais pas si on dirige du coup la... Ah ouais, est-ce qu'on dirige la fille ou est-ce qu'on dirige... l'armée quoi, en fait, qui essaye de l'abattre, la pauvre, façon Godzilla, façon... Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu, ce genre de délire. Il y avait d'ailleurs un film que j'avais vu il y a très longtemps, ou un téléfilm, je sais plus, qui n'était pas terrible, c'était justement ça le truc, c'était une femme géante. Donc je pense que ça passe mieux en jeu vidéo qu'en film d'ailleurs. Hein. C'est 505 Game Street qui a fait ce jeu, qui a édité ce jeu. Je ne connais pas spécialement cet éditeur, mais à mon avis c'est un jeu à tester. Et on peut vraiment bien s'amuser là-dessus, ça doit être assez jouissif. Et bien sûr, hyper sexy, hein, la fille en maillot. Donc merci Ryu, vraiment je suis touché, et très surpris et très charmé par ce que tu as fait. Vraiment c'est très touchant, avec en plus le joli petit papier cadeau. Et voilà, donc c'est ça aussi l'amitié, le partage que l'on fait sur YouTube. C'est quelque chose de fidèle et de sacré, de sincère. Allez, c'était juste une petite vidéo comme ça, sur le pouce. Une petite vidéo, je n'ai vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent sur ma chaîne en ce moment. Je pense que je vais bientôt faire le stream de Tomb Raider, Lara Croft Rise of the Tomb Raider, je vais y arriver. Mais c'est vrai qu'au niveau des autres vidéos, je suis un petit peu en... Bah, je ne sais pas quoi, j'attends un peu, je me force pas hein, à faire une vidéo si j'ai rien de spécial à vous dire, si j'ai pas d'inspiration, si j'ai pas d'envie. Pas question pour moi de faire des vidéos dans ces conditions, donc j'attends toujours d'avoir de bonnes raisons, comme ce matin, pour vous en tourner une. Allez, bonne journée les amis, bon week-end, et encore merci Ryu Gaming. Allez voir sa superbe chaîne, j'adore, je suis Ryu Gaming depuis plus de 2 ans, 3 ans bientôt. C'est vraiment un gars fantastique et super, super sympa. Enfin, j'espère te rencontrer un jour. Ciao les amis, c'était Fox, merci Ryu, à bientôt.